la douche. Et en fait, il y a un truc qui me déplaît fortement, mais fortement, qui me met en crise de nerfs et qui m'énerve. J'étais sous ma douche, j'étais en train d'y penser. Parce que ne croyez pas que je ne lis pas vos messages. Tous vos messages, je les lis. Je sais tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce qu'on m'identifie partout. Donc, il y a des marques, voilà, parce que j'ai reçu des tas de messages, qui s'amusent à ne pas envoyer les colis. Alors que moi ou d'autres influenceurs, ils ont donné des codes promo. Et je vois que y en a plusieurs. Je vous explique. Si, et là, je m'adresse aux marques. Si je collabore avec une marque ou je reçois des messages que les gens ne reçoivent pas leur colis, je m'engage personnellement à prendre un avocat et à vous couler un procès au cul. Je m'engage personnellement, que ce soit un avocat ici à Dubaï ou un avocat en France. Parce que peut-être que les gens qui me suivent n'ont pas forcément les moyens de se payer un avocat ou un bon avocat, ou ne prennent pas le temps de le faire parce que c'est souvent des produits qui sont pas chers. Ils se disent, je vais pas aller payer un avocat pour un produit, enfin un article que j'ai payé 20 balles ou 30 balles. Et je suis d'accord avec eux. Maintenant, moi, je donne des codes promo. Il y a parfois des gens qui ne reçoivent pas leur colis. Et moi, je perds en crédibilité. Et je n'accepterai pas de perdre ma crédibilité. Tout ça parce que des marques n'envoient pas les colis. Donc, je m'engage personnellement, d'accord, à payer des avocats et des gros avocats qui coûtent très cher parce que j'en ai les moyens ici à Dubaï ou en France ou même les deux. Voilà, je vais m'en occuper. Je vais commencer à mettre mes avocats parce que j'en ai à Dubaï et en France sur le dossier parce que c'est intolérable. Et moi, ça me met le démon, ça me met les nerfs parce que moi, j'ai des marques et j'arnaque pas les gens. D'accord, j'ai Maeva Ghenam Beauty. Quand on commande, on reçoit son colis. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Moi, je suis en agence, je suis chez Shona Evans. Et donc, tous les codes promo qu'on vous donne, avant ça, les sites internet, ils sont vérifiés par des juristes. Voilà, il y a des gens derrière, il y a des avocats, il y a des juristes qui vérifient tout. Maintenant, c'est vrai que ça fait quelques temps que je vois que des gens se plaignent de ne pas recevoir les colis sur la vie de ma mère, sur la vie de ma mère, sur la tombe de mon grand-père. Que si je reçois encore des messages là pour les placements que je vais faire à venir, que si je reçois des messages où les gens ne reçoivent pas les colis, je m'en charge personnellement. Pour tous ceux qui n'ont pas reçu leur colis, je vais m'en charger parce que c'est pas normal qu'une marque, d'accord, n'envoie pas les colis ou qu'une marque nous donne à nous les influenceurs des beaux packaging et quand ils envoient, ils ont carrément pas de packaging. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne vais pas perdre ma crédibilité. Quand j'accepte de collaborer avec une marque, d'abord on m'envoie le produit, d'abord on m'envoie le lien du site, ensuite on m'envoie le produit. Si le produit me plaît, j'en parle. Si le produit ne m'en parle pas, ben, je ne collabore pas avec cette marque. Franchement, il y a des milliers de marques qui veulent travailler avec moi ou avec d'autres influenceurs. Mais il s'avère qu'il y a des petites polémiques là, comme quoi les gens ne reçoivent pas leur colis. Sur la vie de ma mère, que je vais vous monter en l'air. Et je vais vérifier si les gens n'ont pas virus. Parce qu'il y a des personnes qui ont des marques que je connais et qui ont eu des problèmes. Eh ben, regardez bien ma story parce que je vais afficher l'Instagram de ceux qui ont les marques et qui s'amusent à ne pas envoyer les colis. Si jamais les colis que les gens ils ont payés ne sont pas envoyés chez eux, je vais vous faire la guerre. La guerre parce que moi, je ne vais pas perdre en crédibilité pour vos beaux yeux. Moi, j'arnaque pas les gens, d'accord? Donc moi, je ne peux pas arnaquer les gens. Je ne peux pas regarder dans un miroir en arnaquant les gens. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma faute. D'accord? C'est la faute des marques. Et les marques qui font ça, je vais tous vous afficher un par un. Et je vais vous faire la guerre. La guerre parce que ce n'est pas normal quand les gens payent pour avoir un produit qui ne reçoivent pas le produit. Je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, moi, je ne vais pas perdre ma crédibilité pour vos beaux yeux de merde. Parce que les gens qui font ça, vous êtes des grosses merdes. Alors, tous les gens qui ont commandé avec mon code promo, ils ont intérêt à recevoir leur produit. Voilà, et c'est une menace là. C'est une menace que je vais mettre à exécution. Et je tiens à dire que ce n'est pas toutes les marques hein, qui font ça. C'est vraiment, je pense, 2%
des marques avec lesquelles je collabore, hein, parce que toutes les marques avec lesquelles je collabore, ce sont des bonnes marques, et ils envoient les colis. Mais même si c'est 0,00001%, eh ben, c'est 0,01% de trop. Voilà, quand les gens ils commandent leur colis, il faut que les gens reçoivent leur colis. Et heureusement, heureusement que c'est vraiment 1% de toutes les marques avec lesquelles je collabore, mais c'est 1% de trop. Et ça me met les nerfs, voilà.